mesdames, messieurs. Jacques J.P. Martin, maire de Nogent, président du territoire Paris-Est Marnebois et le conseil municipal, vous souhaite la bienvenue à la scène d'Aco pour cette traditionnelle cérémonie de début d'année. Meilleurs vœux pour cette nouvelle année, on est plaisir de réaliser ce spectacle pour vous, là, pour les vœux, pour nos gens. Des spectacles très variés, avec de la magie, de l'équilibre, un artiste exceptionnel qui vient d'Ukraine, un duo de VTT trial champion du monde. Et pour nous, c'est un bonheur, on est tous une équipe soudée et on a vraiment très très envie de vous amuser au maximum. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour cette inauguration des nouveaux locaux de la Maison Sociale, rénovés et agrandis pour le confort des collègues, des partenaires et surtout des Nogentais. Nous avons saisi l'opportunité d'augmenter les possibilités d'accueil par la réalisation de deux plateaux de pratiques sportives, côte à côte, modulables. En fait, tout cela pour ceux qui le fréquenteront dans un esprit de convivialité au service du lien social. Alors, nous sommes le 6 avril 2019 et nous avons fait le carnaval de Nogent. Quatrième édition sans neige, avec un magnifique char et un cheval épique, évidemment. On est au parc Watteau et il y a une sauce de Pâques. Et au parc Watteau, sa sauce. On a vu qu'il y a beaucoup de monde qui est venu aujourd'hui, ça nous a plu. Parce qu'on s'est donné un peu de mal pour organiser tout ça. Et voilà, ça a été une journée très conviviale et on a beaucoup aimé. Ces gens ont quand même porté les valeurs de la France partout dans le monde. Il y a déjà une fraternité certaine entre les soldats, mais on doit essayer de la diffuser, de la faire connaître également au sein de la population, une fraternité entre les gens et une fraternité entre les générations. Notre objectif, c'est de rendre hommage à tous les morts de toutes les guerres. Et les anciens combattants, c'est ça aussi. Ils veulent transmettre des choses. Ils ont besoin de vous dire des choses, donc n'hésitez pas à aller les voir, n'hésitez pas à leur parler, et vous verrez que ce sera très très riche. Le lien qu'on peut créer avec eux, c'est quelque chose de très riche.
Les médiévales, ce sont des fêtes avec des stands de différents artisans comme au Moyen-Âge, de différentes pâtisseries, pains comme au Moyen-Âge, de différentes boissons comme au Moyen-Âge. On se retransplante 600 ans en arrière. Nous sommes contents d'être à la fête de la musique à Nogent ce 21 juin 2019, au Micycle, au Théâtre sur l'eau, si ça s'appelle. Voilà. Merci de nous accueillir en tout cas. Et, merci à Nogent. Voilà, merci à Nogent. Merci à Nogent. Merci à Bonjean aussi. Voilà. Ouais, et au public aussi. Et merci au bien. Public, un excellent événement tourné vers le multisport avec les associations, avec la double particularité de réunir le meeting d'athlétisme du Val-de-Marne, une démonstration de joute nautique ici aujourd'hui, et puis l'ensemble des clubs, aviron, kayak, paddle, qui autour de la ville de Nogent font partie du label France Station Nautique. Festimarne, c'est aussi la visite de la ministre des Sports qui nous avait fait l'honneur de labelliser notre événement Journée Olympique. Je suis ravie en tant que ministre des Sports d'être venue faire connaissance avec les Nogentaises et les Nogentais, les associations sportives qui se sont mobilisées pour la fête du sport aujourd'hui, et puis mettre en lumière et valoriser ce qui se fait déjà sur ce territoire à côté d'un cours d'eau. On était ce soir à Nogent pour le 13 juillet du bas des pompiers. C'était le feu puissance 10, une fois de plus. Super ambiance, super énergie, le public a réagi toute la soirée. Feu d'artifice magnifique, quoi dire de plus. Alors on est à la course de la Nogent Baltard et on vient de courir 10 km et nous avons fait participer des résidents accueillis dans une maison d'adultes spécialisée en situation de handicap et on s'est mis en partenariat avec les pompiers de Nogent pour nous aider à participer à cette course. La ville de Nogent sur Marne honore aujourd'hui maman, compte tenu de l'affection que maman portait à Nogent, à laquelle elle était venue un certain nombre de fois pour un certain nombre d'événements, d'inaugurations, d'ouvertures. C'était pour nous très important et nous avons donc décidé d'être présents. L'exposition est formidable parce qu'elle réunit des professionnels et des amateurs et que tout le monde
a su parler de l'eau à sa façon. Les visiteurs qui ont l'habitude de venir donc, au Quai des Coignards pour voir tous ces artistes qui font des expos personnelles vont trouver chez les artistes qu'ils aiment une autre matière aussi, un autre thème qu'ils ne font pas d'habitude. Donc cette expo est intéressante dans ce sens-là. Oui. En tant qu'association, on est là pour représenter cette commune et montrer aux Nogentais qu'il y a possibilité de faire différentes activités. Je trouve que c'est une bonne formule de le faire au pavillon Baltard. Et les gens sont super sympathiques, ils posent plein de questions, ils s'inscrivent aussi. Non, c'est super. Le cadre est magnifique, ça s'y prête bien, franchement, c'est vraiment le lieu de rencontre. Réunis ici pour faire la fête à Yvette Horner. Donc. Et ça a commencé dans les Pyrénées, ça s'est poursuivi dans le monde entier et ça a été succulent à nos gens. Et finalement, elle avait sa place ici, Yvette Horner. Lieutenant des sauts Charlotte, je suis commandant du bâtiment remorqueur de sonar Antares qui est présent aujourd'hui à Nogent-sur-Marne pour la commémoration du 11 novembre. Pourquoi une délégation de l'Antares? Parce que la ville de Nogent-sur-Marne parraine notre bâtiment dans le cadre du renforcement du lien entre l'armée et la nation. Et aujourd'hui, c'est une date toute particulière puisque nous fêtons les 10 ans du parrainage de la ville de Nogent par l'Antares. Aujourd'hui, nous avons ouvert le 10e salon des métiers d'art et de l'artisanat. C'est un heureux anniversaire puisque nous avons doublé le nombre d'exposants. La fréquentation déjà promet une bonne réussite justement pour nos exposants car vous savez que nous commençons déjà quelques semaines avant Noël, avant les fêtes. Donc c'est le choix pour les cadeaux ou le choix pour se faire plaisir. Alors ici à Nogent, à l'occasion de Noël, nous fabriquons avec les enfants des mobiles qui sont faits à partir de morceaux de courge séchée qu'on appelle la gourde calebasse. Alors ça c'est une activité avec des plaies de mousse, donc il faut juste les mouiller et puis ils collent ensemble, donc on peut faire plein de choses, des sapins de Noël, des pères Noël, ce qu'on veut. Je vous souhaite un joyeux Noël les Nogentais. Et regardez, hop, voilà, magnifique cadeau, plein de cadeaux.